As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Thank you.
Femme absolue dans le Seigneur, que paix et grâce bon Dieu avec nous matin. Amen. C'est toujours une joie pour nous l'accueil Seigneur. Par contre, nous l'accueil Seigneur. Amen. C'est toujours une grande joie. Parce que c'est seulement là que nous avons le réconfort pour nous. Et nous avons la joie. Tout. Dans le monde ça, nous vivons là, il y a un monde terrible, politiquement parlant, économiquement parlant. Mais nous-mêmes, avec bon Dieu, comme nous sommes dit, même dans un problème, nous avons bien. Psaume 46, une déclaration de paix dans un monde agité. Il y a une déclaration de paix dans un monde tête chaude. Nous sommes sans crainte. On nous lit verset 1 à 3. On l'a déjà. On nous lit verset 1 à 3. Je suis bon, je ne suggère. On allait. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est toi. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Les gens disent un monde agité. Nous actuellement vivons dans un monde agité. Un monde chargé avec problèmes, chargé avec difficultés économiques, politiques. C'est un monde côté où la vie a monté plus chaque jour. Je vous avais informé qu'on est dollars américains, il y a là. Son bagage infernal, un bagage tel. C'est un monde qui est chargé avec épidémie. Je dis on est venu, après demain on est venu. C'est un monde qui gagne insécurité. La caille nous, on a un kidnapping et tant d'autres. Et en plus, notre pays encore, on a tiré le monde. C'est un monde côté immoralité à monter. Mariage garçon-garçon, ça est très populaire dans le monde maintenant. Madame, fille avec fille, très populaire. Il y a un monde de guerre, côté on a pile l'argent à bail pour faire la guerre, pour tuer le monde. Israël était dans un moment terrible comme ça. Le contexte, psaume 46. C'est l'histoire de la délivrance de Jérusalem entre les mains des Assyriens. Son période, côté peuple, a connu en pile difficulté avec le peuple assyrien. Côté Yuda, éliminer Israël, en pile l'autre ennemi autour de eux, avec eux, tu mettais pour être capable d'éliminer le peuple de Dieu. Mais que n'y a pas qu'à faire ça. Souvent, je ne connais plus d'informations, on va aller dans 2 rois, chapitre 18, verset 2 à 18, 2 à 19. De Chroniques 32, ça y a une histoire claire qui c'est contexte, le psaume 46. Les psaumes 47 et 48, ils ont écrit dans le même contexte là. Un contexte de guerre, côté psalmiste, là, a dit peuple bon Dieu, nous gardons la paix, même dans le moment de troubio, même dans le moment de tristesse. Le psaume 46, c'est célébration de la victoire de Dieu sur ses ennemis. Et si bon Dieu a une victoire sur l'ennemi, petit bon Dieu tout, il y a une victoire sur l'ennemi. Remarquez, auteur a utilisé première personne, nous, pluriel, nous sommes sans crainte. C'est que chanter ça, sont chantés communs, et que tout Israël a pu chanter. Et avec une voix assez tendre, et il est surtout recommandé pour chanter par la fille, sous garde notre somme. Ou après, il dit au chef des chantres des fils de Coré sur à la mort. Et le thème à la mort, c'est un thème hébreu qui est lié avec fille. C'est des voix féminines, des voix tendres qui chantaient comme ça. Et là, c'est des voix tendres, chantaient avec une assurance, avec une sûreté. On entend des femmes qui comptent chanter, à chanter, ça va envie de dormir. Donc, texte ça, il doit chanter avec un pile confiance. Avec en pile assurance. En face qu'il mettait dans Psaume 46, il mettait sous la présence de Dieu avec petit Lio. Bon Dieu, pas quitter le monde qui accepte Lio, ils ont pas. Et nous chantons ça plusieurs fois. L'Éternel va jamais manquer pour prendre soin de petit Lio. Chaque jour, toujours là pour le prendre soin. Psaume ça mettait en face sous différence qui fait. Les nous croyons dans mon Dieu avec les nous pas croyons dans mon Dieu. Les nous croyons dans mon Dieu, nous qu'à dormir en paix. Les nous pas croyons dans lui,
où nous toujours chercher l'autre bagarre, nous toujours et une tête chaude dans le moment problème. Sauf ça, il concentre sur bon Dieu et qui ça le café pour le monde qui croit dans lui. Là, on confie dans bon Dieu, il y a pile bagarre de café. Même en dedans, tempête, au cadeau. Même en dedans, tempête, tempête Haïti, tempête États-Unis et partout ailleurs, vous avez accès pour dire nous sommes sans crainte. Trois constats, je vais vous faire dans Somme 46. Trois constats, très vite, dans Somme 46. Trois constats, c'est qui moun qui a fait déclaration ça, nous sommes sans crainte. Deuxièmement, dans qui temps moun si la yote fait déclaration ça, nous sommes sans crainte. Et puis troisièmement, qui raison qui a fait déclaration ça, nous sommes sans crainte, je n'ai pas peur. Encore d'abord, qui moun qui a fait déclaration ça? Dans verset 2, il dit Dieu est pour nous. Souvenez, nous un refuge et un appui. Alors, nous ici, c'est les enfants de Dieu. Moun qui a fait déclaration ça, c'est moun qui gagne l'Éternel comme papa, moun qui gagne Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. N'importe moun pas dit bon Dieu c'est refuge moi, n'importe moun pas dit sans crainte. Au contraire, si vous avez pris comme ce soir, vous mettez comment c'est fait aujourd'hui. Vous remarquez, dans la période que Salmiste a expliqué là, c'est dans la période où Ézéchias. Où Ézéchias, les Assyriens ont été venus pour être capables d'éliminer Jérusalem. Où Ézéchias, c'était un homme qui a servi bon Dieu tout bon vrai. Faut-il vivre avec moi dans deux rois. Chapitre 18. 2 Rois 18. Verset 6 à 8. Qui baille nous un peu de roi Ézéchias. 2 Rois 18, verset 6 à 8. Alors, ici, on remplace le roi Ézéchias. 2 Rois 18, verset 6 à 8. On lit ça ensemble. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit donc ça dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et il ne lui fut plus assujetti. Verset 8. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. On a dit Ézéchias, il était attaché à l'Éternel et il était observé la parole de l'Éternel. Donc, Mounsa, quand dit nous sommes sans crainte là, ce sont des enfants de Dieu, c'est Moun qui garde les paroles de Dieu et qui observe les lois de Dieu. Et nous sommes dit, il était observé tout commandement que Moïse t'a quitté. Des enfants de Dieu qui obéissent, qui courbent devant parole, mon Dieu. Moun qui a dit, nous sommes sans crainte quand la terre bouleversée, c'est seulement les enfants de Dieu. Est-ce qu'on songe qu'un jour dans la vie où tu soumets à mon Dieu, où tu acceptes Jésus-Christ comme c'est cela? Sinon, c'est ça même qui fait ou agiter comme ça dans le moment problème. C'est ça qui fait, quel que soit ça qui change en Haïti, il faut faire ce qu'il faut faire attention. Parce que l'Éternel pas roi ou réellement. L'Éternel pas maître ou réellement. C'est mon qui, petit bon Dieu, ce sont les enfants de Dieu qui sont capables de faire déclaration ça. C'est enfant de Dieu qui est capable de dire sans crainte. Même les latères bouleversés. Qui monde qui est capable de dire ça? Qui monde qui est capable de dire sans crainte, même les problèmes, même les pauvres revenus? C'est le monde qui confie au nom de Dieu. C'est le monde qui fait bon Dieu confiance. Vous voyez que Ézéchias, c'était un homme encore qui te fait bon Dieu confiance. Et dans le moment ça, il te apprend Israël pour faire bon Dieu confiance. Dans 2 Chroniques chapitre 32, 2 Chroniques 32, 2 Chroniques 32,
vu dans 2 Corinthiens 2 même, les versets 7 et 8. L'Éternel va parler avec petit lit. Par exemple, l'Éternel dit à Ézéchias et peuple Israël là, il dit, fortifiez-vous et du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il est plus qu'avec lui. Verset 8. Avec lui est un bras de chair et avec nous, l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, le roi de Juda. Le peuple attendait Ézéchias parler de sa bonne Dieu qu'a fait et puis il y a confiance. Moun qui a dit nous sommes sans crainte, c'est moun qui confie dans l'Éternel. C'est moun qui dit, quel que soit sa privée, maladie dans la famille, moi, ma petite yeux fixé sur mon Dieu. Moun qui a dit, nous sommes sans crainte, on a été bouleversé. C'est moun qui dit, Seigneur, même si maladie arrive, même si problème arrive, même si tracas arrive, ma petite yeux fixé sur vous. Là, moun dit, on a eu ouais, m'a pas eu ouais, parce que je connais, côté mien, problème que je ou déjà sur place, ou déjà rangé tout le bagage. Même si pourquoi ouais réalité a même quoi le monde ça c'est pas monde qui flottait quelque soit problème non yo pas ouais non yo pas ouais c'est pas monde ça c'est monde qui confie dans mon Dieu tout bon et on va que le roi d'Assyrie pas seul il y est avec lui en pile le peuple comme déjà dit ça plusieurs messages déjà Israël placé au milieu tout autour de lui sont bon gros ennemis. Et l'ennemi, ça va travailler, il va travailler seul. Il travaille de commun accord contre Israël. Qui vivit, il va se faire. Mais qu'il tout bien, il n'y a pas jamais arrivé vaincu parce que l'Éternel avait peuplé. Écoutez, mon qui a dit nous sommes sans crainte. Non seulement c'est petit bon Dieu, mais c'est mon qui fait bon Dieu confiance. Frère, seul, fait bon Dieu confiance. Juste mon côté, sur mon qui est États-Unis. Si vous comptez sur la famille ou parce que vous êtes policier, vous êtes amis, vous êtes ceci, vous êtes cela, mais comptez sur l'Éternel. Vous remarquez, policier, là, il a dormi, zombie ou il a oublié, mais l'Éternel n'a pas oublié. Comptez sur l'Éternel, confiez-vous sur mon Dieu. Vous remarquez ça, le monde qui est capable de faire déclaration ça, c'est le monde qui, petit bon Dieu, c'est le monde qui fait mon Dieu confiance. Le monde ça, il a chanté la gloire de Dieu, même dans le problème. Martin Luther, il était en un gros problème que l'on a fait face à lui pour te renverser le système catholique. Là. Monsieur était demandé à Melanchthon, il compagnie pour chanter avec lui le psaume 46. Chanter qui nous chante l'espérance, non, c'est un rempart que notre Dieu, il composait à partir du psaume 46. Et c'est un texte qu'on chantait de Martin Luther. Il était composé, l'élan de détresse, il chantait chant ça. Remarquez, l'homme fait mon Dieu confiance, quel que soit côté, il y a un détresse, ou à chanter des sommes de louange et de victoire. Parce que vous connaissez, avec mon Dieu, victoire ou assurée. Qui monde qui a fait ça? Qui monde qui a dit nous sommes sans crainte? C'est le monde qui confie dans mon Dieu. Remarquez le temps. Dans qui temps il y a un monde qui a dit nous sommes sans crainte? Mais pas ce jour, nous sérieux. Je dis, l'argent américain monte, mais hauteur, Godin Dieu, il va nous m'abonner. Pas un marché. 35 gouttes, ok, 35 gouttes. Godin quoi, mais hauteur. Mais vous dit, nous sommes sans crainte, pasteur. Oui, ma soeur, parce que la vie ou pas dépend de ni prix Godin quoi, ni prix Godin Dieu, il dépend de l'éternel des âmes. En dépit de toute bagarre, vous avez dit nous sommes sans crainte. Mais c'est pas ce genre, pas ce genre. Pas le président sous pouvoir. Son président provisoire est là. Ou quand ça va finir demain? Non, c'est pas pour ça va finir demain. Mais je connais avec l'Éternel, de même assuré. Je connais qui ça, président, même non, je connais. Je connais qui ça le voir faire, qui ça pour le ranger, même connais toute bagarre pour le bien pour petit bon Dieu. Donc, je dis nous sommes sans crainte. Malgré le temps,
Dans qui temps déclaration ça a fait? Pendant l'instabilité de la nature. Auteur font bagay poétique qui ont pile valeur pour moi. Puis non, Somme 46, c'est là non. On va regarder beaucoup plus. Somme 46. On va dire qu'il y a pile valeur pour moi. Bah, il dit, Dieu est pour nous et refuge en appui. Et c'est vous qui ne manque jamais dans la détresse. Vous voyez le verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Vous voyez, qu'il a nous fait déclaration ça, il dit, même dans la détresse, Dieu est pour nous refuge en appui. Et c'est vous qui ne manque jamais dans la détresse. Même en dans la détresse. Les toutes bagailles par marché, les maladies en dans Kaila, les tracas en dans Kaila, nous sommes sans crainte. C'est ça, je veux dire là. Même en dans le détresse, nous avons dit ça. Et là, il dit, dans verset 3, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Il y a deux bagailles là. Montagne avec la terre. Pour les hommes, c'est pareil qui est plus stable qui gagne. On va jamais dans nos montagnes déplacées. Terre a toujours été dans la place. Même cette petite là. Même les bagailles qui sont plus stables, Darwin est stable, petit bon Dieu doit toujours être sans crainte. Bagaille qui est plus stable là, c'est moi non. On est dans le monde, l'on campé, le monde dit, n'est-ce pas, il y a un roche. C'est là qu'il dit, t'es pour stable. Ça vous dit que montagne yo stable, montagne yo pas qu'à déplacer. Auteur dit même si montagne yo t'a va déplacer, même si l'en mer t'a va des tsunami, l'en mer t'a venir même pire, même si t'a va arriver mourir là encore, m'a sans crainte parce que bon Dieu gagne contrôle tout bagage. S'il dit si montagne là t'a va déplacer, si l'en mer t'a va souké, ou bien l'âme ou t'a pas monté, eh bien, ouais, mais c'est petit là. Problème, par la vle, doué fait tête nous partie, parce que, bagay qui puis stabio, même les ou t'a pas vine stable, bon Dieu qui contrôle l'yon. Si bon Dieu qui contrôle la mer, si bon Dieu qui contrôle le montagne là, si bon Dieu qui contrôle le pied bois, si bon Dieu qui contrôle le cyclone, il qui contrôle le problème ou en tout. Ça veut dire que là encore, en dans la capotorie, problème dans le mariage, ou problème dans la famille, ou problème en Haïti, problème aux États-Unis, ou qu'a dit, nous sommes sans crainte. Parce que bon Dieu contrôle tout le bagage. Ok, le temps, dans la détresse, le temps, pendant la terre bouleversée, et là il veut parler de, c'est une allusion poétique à tremblement de terre. Mais si ça va être un tremblement de terre, mais si ça va bien en pile l'autre bagaille, nous sans crainte. Nous sans peur. Parce que bon Dieu contrôle tout bagaille. C'est pas négligence ça, non. Non. C'est parce que on fait bon Dieu confiance. Est-ce qu'on fait bon Dieu confiance? Les petits douilles malades? Est-ce qu'on fait bon Dieu confiance? Parce qu'on prend le travail? Est-ce qu'on fait bon Dieu confiance? Pour tracas qui a passé la caillou, pasteur, dans l'église ou est-ce qu'on fait mon Dieu confiance assez pour dire Seigneur, m'a dormi en paix parce que je connais tout le bagaille dans mes roues. Quelquefois, on raconte ça à tout le monde, sauf à mon Dieu. Bon, mes amis, bagaille là, et quand on dit que c'est extrovert, l'ego m'a dit que je ne suis pas dit à mon pour aller problème, il faut me dire avec mon, il faut me raconter mon pour me soulager. Non, 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 ou augmenter le problème, non. Racontez-la à l'Éternel. C'est laissons soulager. L'on rentre dans nos chambres, nous disons Seigneur, mais ça a fait mal. Seigneur, petite moi qui te caille là. Seigneur, mariage moi presque écrasé. Seigneur, ceci, cela. Et laisse ça, abdouer, petite moi. En contrôle. Et là, bon Dieu dit nous en contrôle, nous qu'à dormir. On va que à chaque fois nous avons des problèmes, nous prions. Chaque fois nous dormir après la prière, c'est parce que bon Dieu dit hé, hey, Jérôme, en contrôle. L'aime qu'on est bon Dieu en contrôle, dit, je suis sans crainte. Ma grande est pompeur. Dormi. Mes amis, dans qui l'heure? Dans l'éducation? Pendant un bouleversement naturel, pendant l'homme la mer, là, il parle de l'homme la mer, dans verset 4 là, vous voyez, il dit, quand les flots de la mer mugissent et qu'ils se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Donc,
tempête là tellement fort, tellement puissant, même mon Dieu le Dabasouké. Même si le souké mon Dieu, moi qui s'en dit là, c'est tant que chrétien en piste tape même passer mon Dieu parce que Christ s'appelle. Même si le Dabas arrive souké mon Dieu, moi je m'abdomme. Parce que l'Éternel contrôle tout le bagage. Parce que bon Dieu avec moi. Pendant la terre bouleversée, qu'il a une cagane, pendant le flot, la mer montée, qu'il a une cagane, non seulement pendant l'instabilité naturelle, mais aussi pendant l'instabilité des nations. Dans le verset 5 à 12, là, l'instabilité des nations, on m'a dit, il est un fleuve dont les cours enregistrent la cité de Dieu, le sanctuaire des mains du Très-Haut. On m'a dit, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, Dieu la secoue de l'aube du matin. On m'a dit, verset 7, des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. Okay. Des nations s'agitent. Agitation politique parmi les nations. Situation politique en Haïti, aux États-Unis, fait tête tout le monde chaud. Mais il dit, en tant que chrétien, même si le monde agité politiquement parlant, nous gagnons la paix. Même si le monde agité économiquement parlant, nous gagnons la paix. Il y en a qui chaque jour l'achètent à la morale, tout la pensée des nouvelles et puis sucre à monter. Mes amis, il a fait mauvais sang, frappé de table, bon, pour ça, l'éclame a fait ça. Montez dans le palais, fais ça. Fais mon Dieu confiance. Oui, on va faire nouvelle. Mais pas pour tout le bagaille, on met dans le stomac, on souffre le bagaille, il s'est mis sur le stomac, on va mourir. Bye mon Dieu gloire, parce que vous là. Bah, mon Dieu gloire, parce que tout ça qui a passé, il contrôle. Bah, mon Dieu gloire, parce que pas dans rien qui a fait dans le palais national, si bon Dieu va le faire. Je le comprends pas. Là, quand on voit ça, tant que Dieu se pouvait, moi, je dis ça, tant que Dieu se pouvait, pas dans rien qui a fait sans la permission de Dieu. Un lien absolument. Il m'a dit, c'est lui-ci qui fait ce pouvoir. Il n'y a rien qui a fait sans mon Dieu. Et je le comprends ça. Je dis, qui sait quoi le passé avec Haïti? Comment destiner pays à voir destiner pays à innommer mon Dieu, parce qu'en deux pays, il y a des petites, mon Dieu. Quel que soit ça, vous allez pouvoir venir avec loi, pour garçon marié avec garçon. Même pour les gens, ça ne parle pas de loi, ça en d'un. Loi, ça, pour aller tout non L-O-A pour le goût en deux avec un d'un. Quand est bon Dieu, il y a contrôle pays. Non, je ne peux pas vous aider avec votre capacité. Ça, nous devons faire. Mettez genoux à des prières et comme citoyen, faire tout ça, nous devons faire comme citoyen. Et puis, laissez le reste entre les mains de Dieu. Bon Dieu, mais Haïti. Bon Dieu, mais palais national. C'est vrai, monsieur, décidez. Il y a divers là. Mais nous connaissons, reste là, c'est dans mon cœur. Décision finale là, c'est dans mon cœur. Donc, ma sans crainte. Ma sans crainte. Ma donné. Parce que bon Dieu contrôle tout le bagage. Mais il y a une nation agitée. États-Unis, de temps en temps, des gens tuent. J'ai un petit monde mort. Dans l'école, ça me râle. Dans la salle cinéma, on est râle, ça me vide des âmes sur mon tuer. Malgré tout ça, moi-même avec vous, nous carité en paix. Parce que tout ça va privé, bon Dieu connaît et contrôle. Si bon Dieu va contrôler, Satan te mange nous déjà. Nous cassons crainte. Nous cassons crainte. Pendant l'instabilité des nations. Ça fait nous cassons crainte pendant l'instabilité des nations. Bon Dieu protège nous. Nations sont autour de nous. Ok, nations sont autour de Jérusalem. Mais faisait 50 tout ça qui a passé dans Jérusalem. Il dit, il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Ok, pendant autour de nos nations agité, autour de yon gen gros vent, mais en dedans gen yon rivière l'eau fraîche qui a coulé pour bailler la paix à peu bon Dieu. Pendant autour d'Haïti, de toute tracas, de toute calamité, mais en dedans la vie ou en dedans le cœur, gen yon source d'eau fraîche parce que l'Éternel là, il contrôle tout à l'heure. Donc, ou ka dormi, ou ka dit, ou sans crainte, malgré la situation politique, malgré problème économique, crise qui chaque jour, même au temps de la guerre, même au temps de la guerre, on peut être dit ça et dit là. Et si,
Alors, en 1929, il dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Et puis, il faisait 11 ans, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. Il gagne tout le pouvoir. Il contrôle les soldats, il contrôle les armes qu'il a gagnées, il contrôle les bombes qu'il va utiliser, il contrôle tout le bagage. On m'a dit, bon, mon conseil des nègres, il y a qu'à payer son mouton, puis il y a éliminé les mouton. J'ai un peu de dimanche. Il y a des bonnes gens de monde de fait. C'est Genèse 1, verset 1 qui dit, au commencement, Dieu créa. M'a dit, n'en fait les hommes détruits. Il n'y a pas possible. Nous contrôler. La vie nous contrôler. Et chers amis, là, nous regardons tout ça qui a passé autour de nous. Il fait nous parler, dormir. Il fait nous pas faire mon Dieu confiance encore. Retourner dans ses paroles pour recommencer à faire mon Dieu confiance. Parce que bagage qui goyo, bon Dieu contrôle. Qui monde qui garde, bon Dieu gloire, qui monde qui garde, nous sommes sans crainte. C'est monde qui petit bon Dieu, c'est monde qui fait bon Dieu confiance. Dans quel moment, déclaration de la fête, que Dieu a fait, même dans l'instabilité de la nature, les gains, tremblement de terre, qui a parlé tout partout. Nous avons dormi. Il y a un tsunami qui a parlé tout partout. Nous avons dormi. Il y a des gens qui ne peuvent plus dormir dans le caillou. Parce qu'ils disent, en haut, faille, nous. Je prends toutes les précautions que je prends, mais je dormi. Si je me donne un bruit, je sauté. Ça aussi, je sauté. Je prends toutes, je suis toutes les précautions. L'État m'a dit, je prends. Mais je prends un moment pour dire, je vais dormir dans la rue, je vais son vie, je dormi. Non. Parce que bon Dieu contrôle tout bagaille. Donc, à ces joueurs, vous êtes campé dans l'arrière et vous mourrez dans l'arrière. Chers amis, fais mon Dieu confiance. Vous voyez, le bon Dieu t'a fait aux Cap-Haïtiens. Il va te connaître faillite en belle. Oui, absolument. Si vous avez une bonne précaution, oui, nous devons avoir une précaution. Mais est-ce que nous devons marcher, faire sucre parce que vous faillez en bas au Cap? Non. Fais mon Dieu confiance. Fais mon Dieu confiance. L'église bâtit l'espoir. C'est bon pour nous prier, pour que nous gagnions paix dans le cœur, nous, pour nous gagnions paix dans la tête. Nous. C'est mon président qui va nous paix, ni dans la tête, ni dans le cœur. Nous. Mais c'est la parole de Dieu qui va nous paix, ni dans la tête, ni dans le cœur. Parce que tout ça, mon Dieu dit, c'est vérité. Ça, le président dit. Bon, il n'y a qu'à oublier. Fais tout ça, nous le faisons. Mais fais mon Dieu confiance d'abord. Qui raison? Qui a fait nous faire déclaration ça? Nous sommes sans crainte. Nous avons quelques raisons. Qui a fait nous faire déclaration ça? Nous sommes sans crainte. Raison qui a fait nous faire déclaration ça? Parce que bon Dieu, c'est appui nous. Bon Dieu, c'est refuge nous. Non, verset premier. Il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Refuge. Le mot refuge, il signifie abri contre l'orage. Contre danger. Dans le mot original, là, il même arrivé abri contre bagaille qui a attaqué dans moi. Abri contre toute bagaille. Même par attaque spirituelle. Yo. Donc, m'en bas abri, mon Dieu. Le mot refuge, c'est un coup yon caille. L'aime fin tracassé dans toute journée. Les problèmes fin ferme. Parce qu'il y a un pile pour. Pas même bien joué, perdu joué dans la journée. Les moins de la caille, moins, abri, moins, m'béé, m'couché sous la bande, ça qui fait, dormi. Le mot refuge, son image qu'on s'appelle. Son côté mieux, tellement en sécurité, m'dormi. L'aime en dans l'éternel, l'aime avec mon Dieu, tellement en sécurité, quel que soit le problème que m'béé, m'ka dormi, parce que l'éternel, c'est refuge, moi. Donc, non seulement il couvre, appui, m'ka pillé sous lit, pillé ici veut dire m'ka compter sous lit. Est-ce que m'ka compter sous famille moi? Non, il n'y a pas. Est-ce que m'ka compter sous président? Non, il n'y a pas. Mais m'ka compter sous l'éternel qui dit m'a avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas oublié. S'il vous plaît, qu'on est aujourd'hui, ou bien yon abri, ou bien yon appui. Donc, ou ka dit, nous sommes sans crainte. Nous sommes sans peur. Raison, c'est
C'est parce que j'ai un refuge, parce que j'ai un appui. Et on m'a dit ça, il s'est dit là, dans verset 3. Et alors, dans le verset 2, il dit un secours qui ne manque jamais dans la nuit. Toi, Moussao, refuge, appui, secours. Refuge, c'est un caille. Appui, il m'a appuyé sur lui. Secours, chaque l'homme qui a un problème, il vient à l'heure. Toi, Moussao, un soin chrétien. La vie chrétienne stable. Parce que il y a un côté bien, parce qu'il y a un bas, il y a un refuge. Il y a un côté pour reposer, pour dormir pour lui. Si l'ennemi est en train d'attaquer les pendant la dormir, il y a un secours qui peut venir pour bloquer l'ennemi. Pas de rien qui a empêché de dire nous sommes encore. Pour qui ça? Nous avons fait déclaration ça. Parce que nous avons refuge, parce que nous avons appui, parce que nous avons secours. On secours fidèle. On va dire un secours fidèle. Il dit qu'il ne manque jamais dans la détresse. Jamais, quel que soit le problème que nous avons. Quelquefois, chers amis, nous connaissons des situations où il dit quel est bon Dieu oublié? Non, sœur. Bon Dieu, vous apprenez une leçon dans la situation, il quitte apprendre. Mais il ne va pas oublier, il ne va pas oublier. Si tu es oublié au cœur, tu as fini déjà. Il a qui ne manque jamais de la grâce. Donc nous concevons. Pour qui ça nous sommes capables de dire ça, nous sommes sans crainte. Nous dit nous sommes sans crainte. Parce que bon Dieu, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Non, il gagne un contraste. Dans verset 3-5. Comment il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et que les montagnes chancèlent le cœur de mer, verset 4, quand les flots de la mer mugissent écument, ce soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Verset 5, il est un fleuve dont les courants résistent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du cœur. Verset 6, verset 6 a dit, Dieu est au milieu d'elle. Elle ici, c'est la ville de Jérusalem. Bon Dieu au milieu ville là. Et si bon Dieu au milieu ville là, quel que soit tracas qui gagne, bon Dieu contrôle ville là. Dehors, il y a une agitation, dehors, il y a une situation politique, dehors, il y a une nature, tout va changer. Mais en dedans, la ville, il y a de l'eau fraîche à couler parce que bon Dieu au milieu de la ville. Bon Dieu dans la vie, s'il est dans la vie, tout va être OK. Vous voyez, est-ce que vous avez agi comme ça? Parce que vous retirez bon Dieu dans la place dans la vie. Assoyez. Ou bien je vous dis à même, dit Seigneur, je veux une place spéciale dans la vie. Je veux au centre la vie moins. Au milieu. Je veux au centre la vie moins. Tout ça m'a fait, je veux faire pour me faire plaisir. Je veux marcher d'après parole. Je veux tendre, ça va dire mieux. Je veux arrêter, bon côté. Je veux marcher, jongler, souffler. Soit le centre de ma vie. En pile ennemi autour de Jérusalem, mais en dans Jérusalem, il y a une source de l'eau, en dans Jérusalem, il y a la paix, parce que bon Dieu au milieu villa. Frère Samuel, bon Dieu au milieu villa. Pasteur politique à gauche à droite, Sam, bon Dieu au milieu villa. Plus qu'une question, c'est est-ce qu'on est en villa ou pas? Est-ce qu'on est petit, bon Dieu? Est-ce qu'on est sec là, sous là? Parmi les enfants de Dieu, ou qu'à son père. C'est pourquoi je m'accepte Christ comme je veux, c'est normal, parce qu'on a peur. Aucun peur. Mais si on a Christ comme c'est ce veut, bon Dieu, on a envie là. Si bon Dieu, on a envie là, l'ennemi connaît ça. Si bon Dieu, on a envie là, la tuer à connaître, il n'y a pas l'empile, il n'y a pas gros bruit. Christ va le dire, fais silence. Pour qui ça, nous sommes capables de faire déclaration ça? Parce que bon Dieu dans milieu de ville là. Oui, ça nous a fait déclaration ça. Parce que bon Dieu va y secours à petit Dieu. On secours constant dans verset 6. Mais il va y un secours constant à petit Dieu. Moi, il dit Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secours dès l'aube du matin. On va faire ça. Depuis le commencement de journée jusqu'à la fin, bon Dieu là pour le secourir.
C'est vrai, les Assyriens, ils ont fini, ils ont gagné puissance, ils ont pile l'autre armée avec eux. Mais on va dire, du début à la fin de journée, bon Dieu là, il contrôlait. Pas bien, il y a un mal qui a passé sans permission. Frère, soeur, qui ça a ravagé la vie, matin, nous voulons qu'on ait que bon Dieu là. Ou qu'on se trouve, qui va jamais manquer. Ou qu'on Dieu qui contrôle tout le bagage, qui constamment a fait sous ses meilleurs défenseurs qui gagnent. Pour qui ça, nous avons fait déclaration là? Parce que bon Dieu fait ton dévoile. Bon Dieu qui a fait ton dévoile dans verset là. Les nations s'agitent des hommes, c'est bon. Il fait entendre sa voix. La terre se fonde d'épouvante. Parce que bon Dieu dit, hey, sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Et à chaque fois qu'il y a des batailles dans le monde qui voient le fait, les messieurs exagèrent, ils vont trop loin. Et là, ils disent, hé, comme là, connaissez moi-même qui crée la terre. C'est moi-même qui met la terre. Pas grand rien que nous avons fait sans contrôle, moi. Nous avons fait tout sans l'ouvrir. Mais pas arriver à attaquer petit moi. Parce que vous êtes en bas contrôle, moi. Parce que vous êtes en bas refuge, moi. Frère Samuel, moi, avec vous, nous avons une valeur que nous négligeons. Nous avons une valeur que nous négligeons. Si vous êtes petit, bon Dieu, vous avez dormi. Si vous êtes petit, bon Dieu, vous avez paix dans l'esprit. Quel que soit ça qui a prévu, quel que soit ça qui a fait, bon Dieu fait dans des voiles. Et quelquefois, mes chers amis, vous avez des bagages qui ont passé dans la vie, autant, bon Dieu, vous allez valer. Matin. Et là, bon Dieu, vous allez valer, vous allez valer, vous allez bon, cela fait tout ça, vous allez avec papier, avec pierre, vous allez valer, vous allez valer, l'éternel va valer. Le jour où l'éternel parle, il a dit, hé, hey, prends un dossier ça, mettez-le sur table là pour moi. Pas de monde qui va éviter ça. Tant. On dit, mais bon Dieu, oublié. Non, le bon là pour arriver. Il y a une leçon que je veux apprendre pendant la tempête là. Vous savez, les disciples, ils ont appris une leçon dans la tempête là. Parce que après, ils dit, oh, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils n'ont pas connu ça. Ils ont vite connu la tempête là. Non, problème quand on y est, je dis, frère, c'est mieux. Bah, il faut Dieu grand parce qu'on va apprendre une leçon. Mais le jour où la voix de Dieu parle, tout le monde va le couper. Tout le monde va le couper. Tant de bon Dieu va aller. On va guérir. Qui ça que nous dit ça? Parce que bon Dieu a fait un dévoilé. Qui ça que nous dit ça? Parce que l'Éternel des armées est avec nous. Fois ça, nos chants, comme disons, nous sommes gardés, nous sommes chants, en plus, tout ça, nous sommes chants, c'est refrain nos chants. Il répétait dans deux versets. Il répétait dans verset 8 et dans verset 12. Regardez dans verset 8 là. Dans verset 8 là. Il dit, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Regardez dans verset 12 là encore. Regardez dans verset 12 là, mais c'est réfléchissant. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Vous connaissez, ils ont chanté. Si chanter a gagné 5 couplets, vous connaissez combien faut chanter le refrain? 10 fois. Parce que à chaque couplet, vous rechantez le refrain encore. Donc ça c'est refrain. Hein. Refrain ça, il doit pour certitude. L'Éternel des armées est avec nous et le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Là il dit le Dieu de Jacob, il dit le Dieu de l'Alliance. Bon Dieu, pas jamais manquer parole. Il est fidèle à Abraham, il est fidèle à Jacob, il est fidèle à toutes ses vidéos. Il est fidèle à Jérôme, il est fidèle à chaque monde qui accepte lui comme Seigneur Sauveur. Ça, c'est le fouet chanté. C'est-à-dire que pendant mes dames, ils ont chanté, ils ont chanté pour un couplet, ils ont chanté le fouet, toute l'assemblée. L'Éternel les armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. En retraite, quel que soit le problème qui est, m'kavine serré là, m'kavine caché là, parce que par l'ennemi qui est arrivé, joindre moi là. L'Éternel est avec nous. Le bon Dieu à vous, c'est parti cause de ça, non? David a une image là dans le psaume 23. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront, quel est? Tous les jours de ma vie. Ça aussi est présence pour Dieu. Bonheur, grâce. Quel que soit le meilleur, l'Éternel avec moi. Vous songez, les peuples d'Israël, t'as parlé dans tes promissions?
Bon Dieu devant, bon Dieu derrière. Les avec la pichot derrière, bon Dieu renforcé derrière. Et même Jean, dans marche nous vers le ciel, bon Dieu entouré nous. L'ange de l'éternel, ça le fait, campe autour de ceux qui le craignent. Et que ça le fait, il les arrache le danger. Donc, dans le danger, quand il m'a dit, nous t'accueillons dans le monde, ça, les anges, mon Dieu, toujours là. Bon Dieu, toujours là. Christ, toujours autour de nous-mêmes pour protéger nous. Qu'est-ce que nous avons dit, nous sommes sacrés? Parce que, bon Dieu, avec nous, l'éternel des armées est avec nous. Et le mot éternel des armées, c'est le Dieu de combat, le Dieu de la guerre. Parce que sinon, je t'ai parlé de ça autrefois. Remarquez, qu'est-ce que nous avons dit, nous avons fait des grâces à ça? Parce que, bon Dieu, réalisait de grandes choses déjà dans la vie nous. Dans verset 9 là, il dit, venez contempler ça, les œuvres de l'éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Bagage qu'il a déjà fait déjà. On va dire seules les œuvres de Dieu dans la vie ou la vie éternelle, c'est les œuvres de Dieu dans la vie. Où. Sécurité qu'il porte déjà pour y venir dans ça, c'est œuvre de bon Dieu autour de vous-même. Sécurité qui vont dans la rue à chaque jour, motocyclette à gauche, à droite, c'est un bon Dieu. Même Jean Chanté a dit, comptez les bienfaits de Dieu. Si moi, je vous nous comptez les bienfaits de Dieu, n'a dit, nous sommes sans crainte. Parce que ça, mon Dieu, déjà fait déjà. Ça prouve même ça, le bras le fait pour moi encore. Nous cas, sans crainte. Nous cas, sans crainte. Parce que les œuvres de Dieu, ils ont en pile. Ils ont en pile. Une gratitude qu'on empêche de nous voir. Mais ils ont vraiment. En pile. Vous êtes bon Dieu en pile. Et puis bon Dieu qui est avec nous, c'est le tout-puissant, le guerrier tout-puissant. Nous avons dit ça, dit ça. Pour ça que nous sans crainte, parce que nous avons un guerrier avec nous, le tout-puissant. Nous avons dit ça, il dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Ça le fait. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu de chaque guerre. Mouna qui a bonne sécurité, mouna qui entoure moi, mouna qui avec moi, c'est le vaillant guerrier, c'est l'éternel des armées. Donc, je ne vais pas rien pour peur, quel que soit poudre, quel que soit ça, mon d'a fait, langue que vous faites sur moi, mensonge que vous faites sur moi, attaquer ou attaquer moi, je ne vais sans crainte parce que le vaillant guerrier est avec moi. L'éternel des armées, il est avec moi. Et ils n'ont pas essayé de faire, ils brisent là, ils ont pris lance, ils consumaient par le feu de chars de guerre. On va que qui ça quand même café sans qui ça café sans crainte. Verset 11 là, Bamli dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, je vais pas parler là, il dit je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Pas oublier, nous t'ai parlé bagaille qui café monde sans paix. Numéro 1 c'est les nations yo agité. Nous t'ai dit ça là. Et ça dit la première là, je domine sur les nations. Bagaille qui a fait nous personne dit à l'heure, l'air de tremblement de terre, ça le dit, je domine sur la terre. M'domine les nations, même si il y a la guerre. M'domine les nations, même si il y a une décision, même si l'État va préparer une bombe pour dire pour éclater le monde, pour éliminer le monde, m'domine sur yo. Même si la tête va lever, t'as des failles qui passent de tous côtés, m'domine yo. Eh bien, petit bon Dieu, yo. Car sans paix, car sans peur dans la vie, il n'y a dormi en paix. Nous sommes des petits ça, que nous racontons la plusieurs fois déjà, qui était dans l'avion, et papa était pilote là, et que pendant mon gros tempête, avion, tu n'as pas dormi, et comme il disait, il dit, oh, petit, ou pas, ouais, avion pas le crasé. Et puis juste le veille, il dit, qu'est-ce qu'il y a qui pilote là? Il dit, papa, vous avez papa qui est pilote là, il va aller bien pour lui. Il donne mieux. Parce qu'il connaît, papa, ils sont bons pilotes. Frère Seigneur, moi-même avec vous, nous qu'à dormir comme ça parce que bon Dieu plus que pilote ça. Quel que soit ça qui arrive dans la vie, bon Dieu contrôle. Nous qu'à dire, nous sommes sans crainte. Nous qu'à sans crainte, bien. Malgré détresse, nous qu'à sans crainte. Malgré instabilité de la nature, nous qu'à sans crainte. Malgré instabilité des nations, nous qu'à sans crainte. Malgré tremblement de terre, nous cassons crête. Malgré rage ennemi nous, nous cassons crête. Malgré faux jugement qui fait contre nous, nous cassons crête. Malgré instabilité politique, économique en Haïti, nous cassons crête. Malgré complot que nous fait sur nous cassons crête. Malgré sorcellerie, coup de poudre, batterie qui fait contre nous, nous cassons crête.
malgré attaque ça t'en fait, nous cassons le fait. Malgré mensonge, malgré épidémie, malgré mauvaise nouvelle, nous cassons le fait. Car l'Éternel, c'est soutien nous, parce que bon Dieu, c'est refuge nous, parce que bon Dieu, c'est appui nous. Nous avons dit, nous sommes sans crainte. Non, non, chantez une phrase avec moi. Confie-moi dans Dieu. Confie-moi dans Dieu. N'importe côté. Accepter Jésus-Christ. Ou pas quand nous sommes sans crainte, ou pas avec Christ comme si nous sommes. As-tu entendu parler de cet ami-là? Il s'est sacrifié pour toi. Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras.